Yop les gars et les filles, c'est Chato, j'espère que vous allez bien sur la Obscure Clan, en tout cas moi ça va super, ça me fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et ce nouveau sujet, car effectivement sur l'Obscure Clan ce n'est pas seulement des gameplays, de la performance, des défis, etc, c'est aussi de temps en temps de l'information, et un petit leak voilà a été proposé donc, tout simplement sur certains réseaux sociaux et aussi sur cette capture d'écran que vous verrez d'ici peu, bien sûr en gameplay, voilà ça sera juste un fond, pas un truc de ouf, etc, ça sera juste une petite nucléaire voilà à la Razorback sur combine réalisée par moi-même, voilà aujourd'hui c'est moi qui vous propose vraiment le menu entier et donc aujourd'hui comme je vous l'ai dit une petite ligue voilà par rapport à Black Ops 3 parce que je sais que vous kiffez ça et donc voilà sur les nouvelles armes qu'on nous a ajoutées récemment donc voilà c'est pas si récent que ça mais voilà la M16 et l'autre arme tout simplement on a pu voir apparaître des petits easter eggs si on peut appeler ça comme ça voilà des petits trucs cachés que Black Ops 3 et Treyarch en tout cas aiment bien dissimuler dans leur jeu etc. Et sur la M16, sur le manche tout simplement, lorsque bah au niveau de la crosse, vous verrez si vous êtes vraiment, vous avez l'œil en tout cas, ou si vous avez pu déjà remarquer tout simplement une petite carte, voilà, une carte avec un cœur tout simplement, donc une carte de jeu, voilà, un cœur. Et sur une autre screen, on peut voir un Joker. Alors ces screens ont été tout simplement fournis par notre stagiaire, voilà, chez l'Obscure Clan, voilà, qui s'appelle Jean Mermoud, donc on le remerciera bien sûr, grosse dédicace à toi, gros big up. Non, sans déconner, voilà, c'est des screens qui sont assez importants, puisque ça peut quand même révéler justement l'arrivée d'un 11e spécialiste, on en avait déjà évoqué le sujet il y a un petit moment mais ça a été complètement mis aux oubliettes voilà comme si de rien n'était etc alors qu'on en parlait déjà puisqu'on avait vu des espèces de petits spécialistes voilà qui se baladent un peu partout dans les maps en se baladant avec le mode studio etc, je sais pas si vous vous rappelez et là voilà justement on revient avec ce 11e spécialiste qui pourrait arriver puisqu'effectivement voilà le 11e spécialiste entre guillemets était le blackjack mais qu'on peut utiliser avec des contrats etc donc c'est pas un truc de ouf, voilà là ça pourrait être un 11e spécialiste mais un vrai et qui pourrait durer longtemps peut-être, un espèce de Joker, alors qu'est-ce que ça pourrait être, ça pourrait être un truc que tu peux, genre comme un peu le Blackjack mais tu utilises n'importe quel spécialiste qui est dans qui sont disponibles voilà, sur Black Ops 3, voilà c'est à toi de choisir. En tout cas ça me fait penser un petit peu à ça, n'hésitez pas vous à donner vos propositions par rapport à ça dans les commentaires, voilà donner vos hypothèses etc, ça serait vraiment très intéressant de voir un peu bah, ce que vous en pensez, parce que des fois vous êtes pas si con que ça et vous avez des bonnes hypothèses, vous avez le doigt là où il faut tout simplement et franchement n'hésitez pas, moi je lirai les commentaires en tout cas sans problème, voilà les gars c'était tout pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout, n'hésitez pas à commenter, à mettre le petit like comme d'habitude. Je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, c'était Shadow. Bye bye.